Salut tout le monde, c'est Crack, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rambo. Et oui, vous l'attendiez depuis très longtemps, cette vidéo sur Rambo, évidemment. Vous avez suivi évidemment la dernière vidéo là-dessus, date d'il y a très longtemps. Je suis très content de vous retrouver sur la vidéo, vous n'imaginez même pas mon plaisir. Parce que ouais, je viens de recevoir mon micro, je sais pas si vous remarquez la différence, si c'est beaucoup mieux, un peu mieux, etc. Je pense que pour moi en tout cas, je trouve ça excellent. J'ai enfin tout le matos qu'il faut, je suis enfin bien fourni, et maintenant on est parti pour la deuxième année de cette chaîne, et j'envisage vraiment cette année de me faire un maximum connaître, et je compte sur vous pour participer à ça justement, à cette reconnaissance, à mon envie d'avoir une place sur YouTube, parce que c'est quand même le but, c'est avoir une petite place, mais une petite, pour peut-être pouvoir un jour parler de ma vie, parler des choses que je fais, faire une FAQ, etc. Donc pour moi c'est vraiment important ce but-ci, donc dans ma deuxième année, parce que bon, c'est vrai que la première année fut un peu anarchique, et même le début de cette deuxième hein, fut très très mouvementé avec le malheureux décès d'Hadès, hein, mais bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et on continue sur Rambo, et on pense toujours à chaque vidéo que je ferai. Je ne le dirai pas, mais je penserai toujours à lui, et je penserai que lui, la première vue que j'avais sur mes vidéos, je savais que c'était lui. Parce que directement, dès que je la postais, une heure après, pouf, je vois un SMS, super vidéo, bien, machin. Donc chaque fois que je ferai une vidéo, je penserai toujours à lui. Et on va donc reprendre l'aventure Rambo depuis le début, parce que c'est vrai que le 7ème épisode, oulala, je m'en rappelle comme si c'était hier du montage de cet épisode. Oh, c'était horrible. C'était horrible. J'ai passé une heure et demie à essayer de faire la mission. Donc sinon, ce sera à peu près pareil. Hein. Donc ce sera une mission en épisode. On va reprendre tout depuis le début. Maintenant, ça, on continue, hein. On est donc dans l'épisode 8, je pense que je m'étais arrêté à 7, hein, ça devait être ça. Bah voilà, ce sera quand même l'épisode 8, mais ce sera un nouveau départ, voilà. Ce sera le titre de l'épisode, je pense. Donc voilà, un nouveau départ sur Rambo. On va vite fait peut-être changer la langue s'il y a moyen. Non mais c'est pas ça, c'est juste que voilà, pour vous c'est peut-être bien mieux. Bon, tant pis, story mode. Je pense que de toute façon, c'est... Ah non, ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit souligné en français là-dessus. En plus, je joue... en plus, je joue une qualité supérieure d'avant. Donc, franchement, je suis super, super heureux. Beret noir. C'est parti, dans le plus dur. Allez. Évidemment les armes maintenant je les connais un peu, hein, K47, ouais, c'est vrai que putain c'est quand même la plus connue des armes, hein, quand on débute. On va peut-être pas toutes les regarder, on va laisser la surprise pour la suite. Voilà, select. Voilà, alors contrôle, ça pourrait être cool. Ouais, donc ça c'est pour tirer, clic gauche, recharger, c'est clic droit, lancer la grenade, la fameuse grenade, voilà, si vous avez vu les épisodes précédents, vous comprendrez pourquoi ça me fait sourire. Sinon, il y a sa BC, etc., alors c'est SD, machin, non, c'est pas son nom. On verra bien. Ah oui, cover. Ok, S, D et A. Ah oui, voilà, c'est bon. Je retrouve. J'ai grenade. Ok. Bah, start game. Et on est reparti pour le tout début. Oh, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Voilà, la présentation de Rambo par, je ne sais pas qui, comment il s'appelle le gars. Ça fait très longtemps que je n'ai plus vu ce film, donc... Voilà. On est au décès de Rambo, donc où il retrace un peu toute son histoire. Et je suis ici pour vous parler d'un homme qui a tué des milliers de personnes. Enfin, je pense, un truc du genre. Enfin, bref. Attendez, je ne serai pas forcément bonne si c'est moi qui l'a fait. Mais c'est pas grave. C'est
très bien aussi comme ça en anglais. John Rambo. Et sa mort est un bon jour. Il a rejoint l'armée quand il avait 17 ans. Il est allé au Vietnam. Enfin, vous connaissez en fait. Vous avez déjà tout vu donc. Et vous aurez remarqué que les scénarios ne bug plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est. Ouais, bon, de toute façon, il parle, on connaît, hein. Oui, voilà, ça. Alors, ça, c'est. C'est aussi un bon. Oh. Sans bug, ça fait trop du bien. Bon, ça reste toujours des bouts de plastique, on est d'accord. Ah non, moi tu m'as pas ça. Ta-da-da. Il y a un gros décalage en fait là entre le moment où je tire et le moment où lui tire les balles. Enfin moi je trouve. Enfin bref. En attendant j'ai beaucoup joué à Payday. Ce qui m'a permis de augmenter mon. Enfin le fait de savoir viser quoi. Pas avancer là non. Ok, petit tutoriel. Tutoriel ou tutoriel, je sais pas. Ouais, ok. J'ai l'impression que c'est au ralenti là. Non mais vraiment. Ah, ça doit être les FPS à mon avis. On est plus quick toi. C'est pas des masses. Enfin, du lac contre du lac, comme dirait l'autre. Recharge c'est... Allez, recharge. Non, vous la rechargerez. Oui, le système de couverture, je connais. Hein, oui. Ok, allez, reviens, ok. Allez, abaisse-toi. Non. Ah. On aurait même le temps de s'endormir. Oh, le plaisir. Vraiment. Ouais, j'ai quand même beaucoup mieux visé qu'avant. Ça, c'est clair et net. Checkpoint. Oh, le plaisir. Le plaisir. Et alors, je vais encore prendre plus de plaisir à faire des vidéos sur Minecraft, etc. Comme au bon vieux temps. Faudrait que je regarde un peu les vidéos que j'ai faites. Oui. Allez, vous allez dire, ouais, ça donne des vues, ça donne des vues. Ouais, non, c'est vraiment pour regarder la fluidité d'avant parce que j'ai l'impression que là, c'est très lent en fait. Je sais pas si. Je pense pas que ce soit fait exprès du tout donc. On recherche tranquille. Enfin, ouais, vraiment trop tranquille en fait. Rembosser la guerre, hein. Hein bon. Moi je dis ça, c'est pas comme si t'avais des gens qui voulaient ta mort, mais...
En plus, ça fait beaucoup plus stylé, moi je trouve, en anglais. Just like old time. Comment bien vous êtes temps? Ouais, non, 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 du coup, ça le fait moins. Ah oui, je ne me suis pas entraîné au chant, ça c'est clair. Oh là. I need hours. J'ai besoin de munitions. Ah oui, ça, cette phrase, je me rappellerai aussi toute ma vie. Ça, c'est obligé. N'hésitez vraiment pas à commenter la vidéo parce que ça me ferait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que les gens regardent, vraiment. Mais ça me fait encore plus plaisir quand ils commentent, quand ils donnent leur avis, même s'il est négatif. Ah oui, on a la super force. On a la super force là au-dessus. J'ai remarqué que ma vie n'est pas très haute. Passage. Ah ouais, alors c'est à ce moment là que la première fois que j'ai joué, je faisais je ne suis pas très fort pour viser. Alors je me rappelle de la qualité du micro, était horrible, vous aviez dû souffrir. Ah oui, alors comment est-ce qu'on utilise ça? C'est eux, c'est ça. Bah oui, eux comme Rambo, eux hein. Non, ok. Allez, appuie sur E. Non mais si tu recherches, ah oui, ça c'est le gros problème. Si tu recherches quand c'est, de toute manière, moi je lag, le jeu lag. Donc au final ça se vaut, non? Reload. Allez, un peu plus vite. Et vous avez vu en plus que j'ai réussi à faire des miniatures, ce qui est absolument magnifique. Ouais, je vous ferai une petite miniature bien sympa. Pensez pas quand même que j'ai passé 10 ans sur celle-là parce que ce sera sûrement la première, mais je pourrais toujours la changer hein, de toute façon. Je prendrai une officielle à la série, hein, enfin à la série. À... Ouais, c'est ça, si on veut à la série. Je sais pas pourquoi, maintenant je regarde toujours si j'ai des grenades. Et j'espère en avoir une, évidemment. Ça, c'est... On devra donner des noms à nos adversaires, non? Ouais, moi je trouve. On va chercher. Mais non, on peut pas donner des noms parce que imaginons que le nom hein, soit un peu trop français, un peu trop belge, un peu trop ceci et tout de suite. Ouais non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Bon, une balle dans le ventre, il était mort. Écoute, c'est comme mes flèches dans le bras au fond, ça se tient, hein, ça rend beau quoi. Le héros le plus improbable, c'est Rambo quand même, hein, ça.
Allez, on a presque fini. Sa tête, regardez, elle est déjà tout amochée. Ça, c'est toujours la première chose à faire, se mettre à couvert. Et regardez si quand on est à couvert, il n'y a pas des ennemis qui peuvent nous toucher. C'est quand même la première chose à regarder. On va utiliser la rage, ou je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est le E, c'est la touche E, voilà. E, waouh. Et je vous avais promis, hein, la vidéo, fin de semaine, voilà. Ah ben, vendredi, vous l'avez, sachant que j'ai déjà fini mes examens. Ça fait toujours plaisir. Oui, il en reste un. Oh ouais, merci. Alors, un petit tutoriel sur les bombes, hein. Il faudrait que ça je trouve, enfin, les grenades. Et ça, je trouve que les grenades, quand même, il faudrait me mettre le tutoriel beaucoup plus souvent. J'ai vraiment tendance à l'oublier. Donc c'est oui, c'est ça, la molette. Donc on clique sur la molette, hein, pour lancer les grenades. Bah, c'est bon toujours de faire un petit rappel, parce que moi, franchement, yeah. Allez, lance, hein. Il prend des heures à lancer. Là, il n'y en a pas un qui doit surgir de nulle part pour m'attaquer, non? Je pensais. On va attaquer le baril, là. Est-ce qu'il en reste? Ouais, si on n'avance pas, il en reste. Là, lui. Ah oui, c'est vrai. Quand j'appuie sur E, je récupère de la vie. C'est pour ça que je viens de me demander pourquoi est-ce que j'avais plus de vie que tout à l'heure. Ouais, que va-t-il se passer? Je ne me rappelle plus. Pas du tout. Non. Tiens, allez, je vise ta tête là. Oh. Ça va, alors monte vite ma vie. Ça, c'était juste pour le fun. Mais vraiment juste pour le fun. Oh, j'espère que le son va bien donner. Franchement, j'espère que je suis pas trop près de mon micro. J'espère que je suis parfait là. J'ai fait juste un tout petit test juste avant. Je sais pas si c'était suffisant. Oh non, pas ça. Ça. Non, je voulais faire exploser le truc, moi. Ah ouais, ça, moi je dis pareil. Pourquoi il tient son arme comme ça? Quelqu'un pourra-t-il m'expliquer? Serait-ce un bug? Ah voilà. Ok, c'était juste un petit bug. C'est pas tant désagréable, hein, que ce soit lent. Je veux dire, c'est juste, ça rend la chose un peu trop facile. Je sais pas si c'est normal en fait, ça que je me pose comme question. Ils prennent même du temps à tomber, comme si la gravité était remise en cause. Waouh.
il en reste un là derrière. Allez, montre-toi. Ah non, là. Allez. Oh non, mince. Oh, de toute façon, ma vie est au max, donc pas à me plaindre. Ça m'avait vraiment manqué hein, de faire des... Et malheureusement, il n'y a pas trop de commentaires à faire sur Rambo, puisque c'est un jeu sans trop de stratégie, hein, vraiment très guidé. Et finalement, il n'y a pas grand chose à... Mais je t'ai eu en pleine tête, comment tu réussis à vivre? Déjà que tu vas mettre 2 heures à tomber, alors tombe! Non, mais t'es mort là! Oh! Allez! Voilà! Oh! Ah ouais, bien sûr, mec! S'enjaille! J'espère en fait ce qui m'inquiète vraiment, c'est que comme j'ai pas d'anti-pop sur le... Enfin j'en ai jamais eu, hein, si vous remarquez vraiment, j'en ai jamais eu. Mais vraiment sur ce bon micro en fait, si t'as pas d'anti-pop, ça donne vraiment un truc bon, pas trop désagréable. Et voilà, peut mieux faire. Donc franchement l'anti-pop... Là je fais une technique qui permet de minimiser un maximum les P et les B, hein, comme c'est le but. Ouais, j'essaierai de m'en faire un, mais vraiment artisanalement, quoi. J'ai pas envie de payer 15€ pour un truc qu'on peut faire soi-même. Enfin, je trouve ça un peu ridicule, hein, personnellement. Oui, j'ai pas pensé un truc. J'espère que vous entendrez pas le jeu. Je vais baisser d'ailleurs le son parce que. Voilà, en espérant que vous entendrez pas le jeu, parce que ce serait quand même très dommage d'avoir gâché la moitié du gameplay rien que pour ça. Sinon, promis, la prochaine fois, je ferai attention si jamais ça a dérangé. Sinon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi ce était normal à chaque fois qu'il recharge. Puisque de toute manière, c'est anormal, donc... Alors en fait il faut tirer une fois pour qu'il reprenne son arme. Bon, c'est pas très logique, mais dites-moi ce qu'il y a encore de logique dans ce monde. What? Oh non, ah oui, c'est là qu'on voit son bras qui... Oh, un bout de plastique, une prothèse. Bah oui, c'est un homme, un Rambo, faut pas lui parler comme un gamin. Enfin, je trouve. Je sais pas où il est sur E, hein, rappelez-le moi. Alors, comment est-ce qu'il faut battre? Ah oui, faut se baisser absolument à chaque fois. Tourelle fixe, donc voilà, c'est ça. Toujours se baisser quand il y a la attention devant. Mais bon, comme il va prendre des plombes, l'attention. J'aurai bien le temps de le voir. Oh, il tire là.
Ah voilà. On a tort, hein. Ouais, je fais les bruitages, c'est ça que c'est bon. Comment je la bute? Je vais peut-être pas prendre de risques. Parce que je pense qu'en une balle, on est mort avec ça. Voilà, on en a presque fini. Et voilà. On va recharger, hein. Eh, mais c'est pas possible! C'est bizarre, hein, parce que on dit que c'est la guerre du Vietnam, mais Rambo était-il seul? Ben non, voilà, mais il faut que je dise ça pour me rendre compte qu'en fait j'ai des alliés. Bon, ok. Je pense qu'il va d'abord aller à gauche, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et je parle de banane à ce moment-là, je pense. Je pense que ouais, je pense de banane, mais je ne sais plus pourquoi. Alors là, faut pas me demander. Ah ouais, non, bah c'est peut-être plus tard que je parle de banane. Mais en tout cas, je sais bien que quand on tourne à gauche, là... Pas trop vite. Voilà, comme la SNCB. On arrive, on arrive. Ouais. D'ailleurs, une petite anecdote. Au niveau de la rapidité, de la... Enfin bref, de l'organisation de la SNCB, c'est magnifique. Hein, parce qu'en fait, il faut se dire qu'une fois je prenais le train, c'est normal quoi. Comme tout le monde. Et je prends le train tous les matins pour aller à l'école, comme plein d'autres gens. Et du coup, j'arrive pile à l'heure, et le train, je ferme les portes et je vais vers le contrôleur, normal. Est-ce que quand j'arrive devant les portes, je dis au contrôleur merci, parce qu'il m'a attendu, je trouve ça sympa. Moi, je trouve que quand quelqu'un fait une action sympa avec toi, tu le remercies, enfin, c'est la moindre des choses. Donc je le remercie gentiment, il me fait vous êtes en retard, non, sans blague. Donc déjà ça m'a pas plu que je dise merci à quelqu'un qui me reproche d'être en retard, je sais très bien que je suis en retard. Alors pour pas provoquer, moi je vais pas m'asseoir trop loin, sinon qu'est-ce qu'on va me dire? Je sais pas encore, une petite remarque, je me mets pas trop loin dans le train. Il me laisse rentrer quand même. Et là il me fait vous savez plutôt, hein.
Et alors là j'étais trop fier de ma phrase, et en plus j'avais préparé parce que je m'étais dit, si jamais il me demande, s'il me dit quelque chose du style ouais, faut arriver plus tôt, machin, tout ça, donc il m'avait dit, il faut se lever plus tôt. Et j'ai répondu, ah, mais parce que vous êtes toujours à l'heure, vous. Et alors là, il m'a rétorqué en disant, oui, mais des fois, c'est de la faute des voyageurs en retard. Que nous, on a du retard. À 16h là, donc c'est-à-dire en heure de pointe, ce sont pas les petits vœux qui prennent des plombes à aller jusqu'à la porte du contrôleur qui monte dans le train. Enfin, je suis désolé, c'est les jeunes qui vont à l'école, vigoureux, plein de vie. En forme, quoi, qui savent courir. Bon, on va le laisser parler, voilà, comme ça. Et donc voilà, je trouve ça complètement aberrant de remercier quelqu'un déjà qui dise ouais, faut se lever plus tôt, qu'il fasse des remarques. Je trouve ça aberrant, mais en plus après qu'il dise ouais, des fois c'est de la faute de... Ah non, faut pas exagérer non plus, hein. Après on se demande pourquoi est-ce qu'on part, on reste 2 heures par gare. Alors là, je vous dis, pas entre Warem et Liège, il y a bien 7 gares, donc ça fait 14 minutes de perdu. Ça fait toujours plaisir quand on doit prendre un train plus tôt. Ou alors, ce qui est aussi marrant, c'est qu'ils avaient changé l'horaire du train, mais ils avaient prévenu, mais personne, hein, personne était au courant. Alors, il y a une grosse majorité qui sont arrivés en retard, mais bon, ça, ils s'en foutent. Enfin, la SNCB s'en fout totalement. Là, dites-moi si vous avez des aventures ou des périples comme ça avec la SNCF, si c'est pareil, si c'est mieux. En tout cas, j'aimerais bien une confirmation. Il paraît que avec la SNCF, ce qui est bien, c'est que par exemple, si on achète un billet et qu'on n'est pas contrôlé, il paraît qu'on peut se faire rembourser le billet quand on va au guichet parce qu'on n'a pas été contrôlé, et que donc du coup c'est comme si on n'avait pas pris le train. Et on peut être remboursé. Ah non, parce qu'avec la SNCB maintenant, c'est à 7€ d'amende. Puis on t'invente des amendes parce que ça. Non, la SNCB invente des amendes. Déjà que ton ticket coûte 7€ plus cher si tu l'achètes dans le train. Sauf que des fois t'as pas toujours le temps, ou alors t'as. Il y a toujours des problèmes là-dessus. C'est. Enfin voilà. Oui, alors là je vais utiliser E. Tiens, revenons au jeu. Au ralenti, ça fait toujours plaisir. Et là c'est la grosse explosion du siècle, si je me rappelle bien. Et alors il y a l'autre qui fait youhou. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Et là, je ne sais plus ce que je dis dans les épisodes, enfin dans le premier épisode, je ne sais plus ce que je dis, mais je dis quelque chose à propos de l'explosion. Ah oui, c'est ça, ouais. J'allais le dire aussi. Et ça nous permettra aussi de comparer les scores. J'essaierai de vous mettre un peu le comparatif dans les premiers épisodes du débriefing et donc des scores que j'ai obtenus. Donc la première fois et la deuxième fois qui est donc maintenant. Et donc je me réjouis vraiment de finir cette aventure avec vous. Enfin de la finir, de la commencer, enfin de la recommencer. Mais non, donc c'est juste pour dire que je me réjouis vraiment de savoir la suite en fait de l'histoire. Et savoir comment tout ça se finit. Ah, je suppose un peu comme les films. Mais bon, voilà, je vais pas vous spoiler non plus les films. Hein, ça serait vraiment dommage. Donc, continue. Voilà.
Ah oui, je me rappelle de ça aussi. Bah, on va vous laisser ça dans le prochain épisode. Ouais, ça va être ça, à mon avis. On se rejoint tout de suite en pleine action dans le prochain épisode. On va juste laisser le scénario là. Quand il parle, vous pourrez lire à votre aise, mettre sur pause et tout. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Donc la fin du premier épisode. Si vous regardez le premier épisode, enfin le deuxième du coup, vous allez comprendre pourquoi je rigole à ce moment-là. Et dans l'action, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était The Crack. Salut!